Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo différente de d'habitude. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour avoir du maïs pour mes poules gratuitement. Donc voilà, on est allé glaner simplement le maïs dans les champs autour de chez nous. Voilà, on les a mis dans des cagettes aérées. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour les égrainer. Alors c'est tout simple, on utilise simplement un appareil qui s'appelle une égraineuse à maïs. Donc celle-ci, elle est manuelle et non électrique. Donc c'est très simple, il suffit d'introduire le maïs dans la fente prévue à cet effet. Alors parfois quand ça bloque, on peut utiliser un petit bâton en bois pour aider à pousser le maïs à l'intérieur. Le maïs tombe dans le seau et ici nous avons le rafle, ça s'appelle un rafle. Donc on récupère le rafle de l'autre côté et on va le mettre dans un autre seau. Donc là on continue, vous voyez le maïs tombe à l'intérieur. Donc là nous on a prévu pour pas qu'il y ait du maïs partout, pour diriger le maïs dans le seau. Nous avons fait donc, on appelle ça une chaussette en plastique en forme d'entonnoir pour que le maïs tombe dedans et soit dirigé vers le seau. Alors je vais faire le tour pour qu'on puisse voir l'autre côté de la machine. Donc, on voit bien qu'il y a des pics qui permettent en fait de enlever les grains de maïs. Donc là le rafle est tombé dans le seau et ainsi de suite. On fait comme ça pour tous les épis de maïs. Alors franchement ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps à faire ça parce que vu le prix du maïs actuellement, dans le commerce ou carrément chez les grossistes, ça vaut vraiment le coup parce que là les prix ont vraiment monté. Donc là ça permet de nourrir ses poules un certain temps gratuitement. Alors pour ne pas gaspiller le maïs qu'on aura égrainé, on sépare bien le maïs qui est moins beau de celui qui est le plus beau et on donnera en priorité aux poules celui qui est pas beau pour terminer par celui qui est plus beau. Donc voilà ce que ça donne, tout ce qu'on a égrainé. Donc on a une sacrée réserve. Alors je voulais vraiment vous partager cette astuce qui permet vraiment de faire des économies sur l'alimentation de vos poules. Donc voilà, il faut bien stocker au sec et protéger des rongeurs. Donc on met des couvercles pour pas que les petites souris viennent manger. Donc ici on prend ce qu'on a. Donc là j'avais plus les couvercles, donc j'ai pris une plaque. Peu importe, du moment que les seaux soient recouverts. Alors le seau que je vais mettre au-dessus, c'est celui qui sera donné en priorité parce que le maïs est moins beau. Donc là je vais rajouter un seau en guise de couvercle. Peu importe, de toute façon ça sera donné rapidement. Voilà ce que ça donne, la réserve de maïs pour un certain temps. Là, on est très content du résultat. L'année prochaine, nous allons glaner certainement plus. Alors, on avait fait ça avec un de nos fils, ce qui permet de faire une activité sympa. Alors, on a stocké tous les rafles de maïs dans des sacs et ils vont servir à allumer notre barbecue cet été. Alors, vu le prix du charbon de bois, ça vaut le coup de les conserver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous aider à faire des économies. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.